Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ici. Sans plus tarder, partons pour ce tour du monde, pour cette météo de ce mardi 28 juin. Séchez-le, on aura l'influence d'une perturbation ici vers l'Irlande, à Dublin. À l'avant, le ciel restera couvert, généralement sur le Benelux aussi, le nord de l'Hexagone. Et puis ailleurs, le soleil sera dominant à partir de la moitié sud de la France, mais aussi pour la péninsule ibérique, une grande partie du bassin méditerranéen. Vers les Balkans, clairement, on aura l'influence d'un temps pluvieux et même orageux du côté de Kiev. Et on aura des pluies vers Oslo et Helsinki, entre deux, une alternance de nuages et d'éclaircies. Partons du côté des États-Unis avec l'influence malheureusement d'une perturbation qui aura occasionné pas mal de dégâts en Virginie. On en parlera en fin de bulletin. Elle se décale vers l'est, touche ainsi New York, mais aussi Atlanta, la Floride, une partie évidemment du golfe du Mexique. Et pour l'autre partie du pays, c'est clairement le soleil qui dominera avec des valeurs encore très très chaudes à Phoenix. Ça se prolonge le beau temps jusqu'au Mexique, même Cancun où il fera 34 degrés. On retrouve la zone de convergence intertropicale, exemple sur le nord-ouest du territoire, libérant ainsi les villes côtières brésiliennes. Et on a une dépression qui quitte la Pampa pour se décaler vers la province de Buenos Aires, d'où ce ciel bien chargé. Vers l'Afrique, moitié sud, vous le savez, c'est le soleil qui dominera avec un ciel dégagé sur l'Angola et une grande partie de la Namibie. On retrouve la zone de convergence, la mousson africaine vers Bamako, Conakry, mais aussi Abidjan, Cotonou, jusqu'à Addis Abeba, en passant évidemment par la Côte d'Ivoire. Ici, sans plus tarder, quelques voiles en altitude à Alger. Forte chaleur attendue à Koweït, où il fera près de 48 degrés. Ce sera aussi le cas des pays du Caucase et par exemple de l'Iran, avec 35 degrés au compteur à Téhéran même. La mousson indienne est implantée sur une grande partie de l'Inde, et pas seulement le Bangladesh, le Népal, mais aussi de Rangoon à Phnom Penh. On retrouve l'influence d'une perturbation à Perth, sur la capitale de l'Australie. Il fait clairement trop frais avec l'influence d'un anticyclone, et on a du beau temps vers Port Vila, Nouméa et Yaren. Ailleurs, on devra subir des averses, aussi des coups de tonnerre vers Hong Kong, Shanghai et Pékin, et un temps très pluvieux sur une grande partie du Japon. C'est lié évidemment à un mousson, un front de mousson. Voici l'image vidéo du jour. On s'est rendu aux États-Unis, l'ouest de la Virginie, touché ce jeudi par une perturbation pluvieuse très active, à la clé malheureusement de fortes inondations et des dégâts très très importants, non seulement matériel, mais aussi humain. Merci pour tout, une excellente suite de programme à vous sur TV5 Monde.